bien, c'est bien la chercher, ouais, super. Ok, on Johnny, fait ça. Qu'est-ce que tu fais? Attends. On devait partir à 9h, bon. Maintenant on va terminer avec tard. Ça, d'accord? Et j'en ai encore pour un petit j'en moment. J'en ai marre d'attendre, ça me gonfle. Si je boucle pas l'affaire, on reste ici, c'est tout. Hey! Quoi? Tu sais que je t'aime, toi? C'est bien ce que je disais. Allez, où l'embrouille? Allez, viens. On se tire de là. Alors maintenant, c'est toi qui es pressé? Espèce de brute. Je t'ai dit que je t'aimais, allez, on y va. Ouais, c'est ça. Tu connais des mecs qui se baladent en 4x4? Non, pourquoi? Qu'est-ce que tu fabriques là? T'aurais pu prévenir avant de tourner, non? Tu peux me dire pourquoi un 4x4 du gouvernement nous file Vicky? J'en sais rien, moi. Toi, tu me caches quelque chose. Je suis sûr que tu me caches non, un truc. Non, bien sûr que non. Parce que tu vois, depuis que je suis avec toi, j'ai l'impression qu'on me suit. Ah oui? Ça serait pas plutôt ton business qui craint? Non, je bosse là-dedans depuis un certain temps, tu vois, et j'ai jamais connu ça. Ça sent mauvais, là. Tu peux pas ralentir un peu, s'il te plaît? Pourquoi ils nous poursuivent? J'en sais rien! J'ai rien dit à personne! Et c'est justement pour éviter ça que je t'ai demandé d'arrêter de dealer! Non! J'ai même supplié d'arrêter, mais voilà le résultat! Je vois bien qu'il se passe un truc bizarre, là! Qu'est-ce que c'est? Tu sais quoi? Je vais conduire jusqu'à Los Angeles sans m'arrêter. On verra bien qui aura ses licences. On ne peut pas aller à Los Angeles. Il faut absolument qu'on soit à Reno dans la matinée. Moi, je vais à Los Angeles. Et moi, je ne veux pas. Tu veux pas y aller? Non. D'accord, très bien, alors on se sépare. Pourquoi tu réagis toujours comme ça? Parce que je ne veux pas retourner en prison et j'y retournerai pas. T'as pigé ça? C'est quoi ça? Hein? C'est qui ces mecs? Qu'est-ce qu'ils veulent? Merde. Sors de la bagnole. Sors de cette bagnole! Denis, il n'est pas question que tu me laisses ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'attends un bébé. C'est tout ce que ça te fait, t'as rien à dire, on dirait que t'en as rien à foutre. On va avoir un bébé, c'est pas... Je te crois pas, c'est tout. Comment ça, tu me crois pas? Je comprends pas. S'il te plaît, sors de cette bagnole. Allez, plus vite! Je croyais que tu m'aimais. Je t'aime, oui. Mais je retournerai pas en prison. Allez, sors maintenant. Génial.
Mais c'est pareil avec les autres. Je te montrerai. Oui, Victoria. Wow. Laisse-la dormir. Elle a besoin de récupérer. Oh, ma chérie. On allait justement te réveiller. Et c'est prêt. Assieds-toi. On va prendre le petit déjeuner en famille. Non. Merci. Je vais prendre une douche et je m'en vais. Victoria. S'il te plaît, mets-toi à table. Sinon quoi? Les gardes du corps vont me traîner jusqu'à ma chaise, c'est ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis pas un alien. Parfois, on se demande. Christian! Alors, qu'est-ce que tu nous racontes? J'attends un bébé. Pardon? Je vous annonce que je suis enceinte. Tu te moques de nous, c'est pas vrai. Tu as à peine 17 ans. Tu es trop jeune. Ah oui? Pourtant, dans 6 mois, j'aurai l'âge de voter. Et au fait, j'ai pas l'intention de voter pour toi. Vous pouvez sortir de table. Tous les deux. Mais, papa... Allez, hop. Tu sais qui est le père? Non, il n'y a pas de père. C'est arrivé par Immaculée Conception. Si, si, c'est vrai. C'est incroyable, non? Ne joue pas la maline avec moi. Qui est le père? Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'il ne sera pas là de toute façon? C'est le type avec qui tu étais hier? C'est pas ça l'important. Ne me dis pas que ça n'est pas important, Barbara, parce que c'est non, ce n'est pas important. Je veux savoir qui est le père. Ce qui est important, c'est qu'elle est rentrée à la maison et qu'elle est en bonne santé. Tais-toi, tu veux bien? Je parle à ma fille. Je veux savoir qui est le père. Mais ma chère maman, ouvre un peu les yeux. Mon très cher père se soucie plus des antécédents criminels de son futur gendre que du sort de sa propre fille. Ce n'est pas du tout ça, chérie. Si, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu penses que ça va te poser un problème pour te faire élire? Tu n'es qu'une petite princesse, une insupportable enfant gâtée, ingrate en plus. Tu n'as pas la moindre idée des sacrifices que j'ai dû faire pour toi et pour toute cette famille, pour que tu puisses te promener avec un tatouage dans le cou et un anneau dans le nez. Mais je sais très bien ce que t'as fait. Et tu vois, c'est là que ça coince. Tu t'es tellement investi dans ta carrière qu'au bout du compte, je sais même plus qui tu es. Dehors! Sors de cette maison! Étant donné la situation, monsieur, votre candidature risque de ne pas résister à une nouvelle attaque des médias. Vous croyez que je ne le sais pas? Je vous conseille de ne pas en parler ici. Fermez la porte, s'il vous plaît. Ma fille va nous poser un vrai problème. Elle est enceinte. Et le casier judiciaire du père est bien chargé. Tous les médias vont vous faire la peau s'ils apprennent que le père est un criminel. Et ce sera la fin de votre campagne. Ça, ce n'est pas envisageable. Bon, que proposez-vous? Vous ne pouvez pas obliger votre fille à se faire avorter. Non, bien sûr. Je ne ferai jamais ça. Vous êtes sûr? Vous n'avez aucun doute? Non, on n'a aucun doute. Sinon, on aurait laissé tomber depuis longtemps. Vous pouvez pas savoir le nombre de formulaires qu'on a dû remplir. Moi, je trouve qu'ils exagèrent avec leur paperasse inutile. Ça va. Je ne pense pas que ce soit inutile. Vous allez être d'un jour à l'autre responsable d'un petit être humain. C'est normal de prendre quelques précautions. Oui, mais enfin, là c'est particulier, c'est contraignant parce qu'il s'agit d'une adoption indépendante et plénière. Il faut qu'une mère abandonne son enfant et qu'elle renonce totalement à tout lien avec lui. Est-ce que vous avez demandé une limite d'âge? Non, ça nous est égal, hein, chérie. Mais avec un enfant de 6 mois, on peut dormir. Non. Quel que soit son âge, ce bébé sera toujours une bénédiction. Oui. Alors, c'est pour quand? Il peut arriver d'un moment à l'autre. On est sur une liste d'attente? Oui. Et oui, c'est pour bientôt. Quand on m'a dit que vous vouliez me voir, j'étais un peu étonnée, c'est vrai. Je sais, je voulais avoir la confirmation que je ne pourrais pas avoir d'enfant. C'est sûr, à 100%. Vous savez bien qu'on est sûr de rien, et encore moins 100%, Sarah. Mais vous êtes certaine que j'ai ce SOPK? Oui, ça je peux vous l'affirmer.
Le syndrome d'ovaire polykystique est la cause la plus courante d'infertilité chez la femme. Et dans votre cas, les analyses sont sans équivoque. Sarah, vous avez pris la bonne décision. Je vous remercie, docteur. Pour tout. Ça va faire bientôt 4 mois. Oui, je sais, mais ils ont besoin de temps quand même. D'abord, il faut que... Ils doivent planter la graine, après ils doivent l'arroser, puis tout doucement, le bébé doit sortir de terre, et puis la cigogne vient récupérer le bébé. Ça me fait rire, tu ne peux pas savoir. Ça va arriver. Il faut de la patience et attendre encore un peu. En plus, c'est une longue liste. On est 7 milliards sur cette planète. On peut quand même imaginer que sur le tas, il y a un petit nombre d'enfants abandonnés qui ont besoin d'amour, non? Et peut-être que l'un d'entre eux va bientôt nous tomber dessus. Oh! Attends, je crois avoir entendu un bébé crier. Viens par là. On aura bientôt cette petite fille avec nous et pour le restant de nos jours. Ouais. Alors, sois un tout petit peu patiente. Je te promets que le téléphone va bientôt sonner. Tu vois? Tu vois? Allô? Non. Non, ne me dis pas le résultat du match, je l'enregistre. C'est Jerry qui me... Excuse-moi, on a parié ensemble sur ce coup. Je dois aller au bureau. D'accord, d'accord, allez, arrête s'il te plaît, je vais raccrocher. A plus, je reviens bientôt. Je t'aime. Décrocher, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, il est de ton côté. Qui peut bien s'amuser à nous appeler sur le fixe? Je connais pas le numéro. C'est du démarchage à coup sûr. Allô? Oui? Oui, c'est moi, Sarah Martin. C'est qui? C'est vrai? Vous êtes sûr? C'est pas vrai. Aujourd'hui? Génial. On est prêts, oui. À Sacramento. Qu'est-ce qu'il y a à Sacramento? Oui, oui, on est équipés pour le transporter, oui. Pour le transporter? D'accord, très bien. Et les papiers, bien sûr. D'accord. On a besoin de prendre, d'apporter quelque chose ou... Oh non, ça va très bien. Non, non, c'est très bien. Merci, merci pour tout. On se voit bientôt, à très vite. Chérie, tu peux m'expliquer? C'est pas vrai. Le bébé est là. Elle est là. Qu'est-ce que tu veux dire? Là tout de suite? Oui, notre enfant est là. On t'a dit quel âge elle avait? Une semaine. Oh. Ta petite graine a poussé, mais maintenant il faut aller la récupérer. Ma chérie, on a un bébé. Oh, il faut qu'on y aille. Allez, allez, on doit partir. Et oui, c'est ce que je viens de dire. Habille-toi, il faut que dans une heure on soit parti. Dans une heure? Allez. Où sont passées mes ligotes là? Non, voilà. Regarde, ma chérie, ils disent que les nourrissons difficiles peuvent être calmés en imitant les bruits produits par le ventre. C'est très bien, tu pourras t'en charger. D'accord, oui. Regarde ça encore. Ils disent que les nouveau-nés ont le réflexe de téter en naissant. Et que pour ça, les tétines font très bien l'affaire. On a pensé à prendre une tétine? Mais oui, s'il te plaît, détends-toi. T'oublies que j'ai été nounou et que j'ai travaillé dans un orphelinat en Thaïlande. Je suis bien préparée. Je sais. Non, je sais, c'est simplement que la dernière fois que je me suis occupée d'un organisme vivant, c'était un lézard quand j'étais enfant. Et je suis sûre que tu t'en es très bien occupé. Non, pas du tout. Non, il est mort après quelques mois, mais mes parents l'ont remplacé. Et ça s'est répété pendant près de 5 ans. Et je croyais m'occuper toujours du même lézard, et en fait, j'en ai tué plus d'une quinzaine. Chérie, ça va aller. Ouh. T'en fais pas, on forme une belle équipe. Je t'aime. Bonjour. Bonjour. Nous sommes Lee Martin, on vient pour notre fille. Oui. Nous sommes venus pour l'emporter, mais... Bienvenue, monsieur et madame Martin. Nous sommes ravis de vous accueillir. Je vais appeler Mélissa, c'est elle qui s'occupe de vous. Merci. Oh, Richard, s'il te plaît, il faut t'habiller correctement. Quoi? C'est pour le bébé qu'il faut que je m'habille? On rigole pas. Les gens de cette agence ne remettent pas leur bébé à n'importe qui. Tu te rappelles qu'ils ont accepté notre dossier et qu'on ne repartira pas sans notre enfant. Compris? Eh bien, on s'y fait plus facilement qu'à une péridurale. Hein? Et pas de cathéter? Richard,
Sarah, Richard, comment allez-vous? Vous devez être bien fatigué après avoir conduit toute la journée. Encore des papiers signés? Oh, rien de compliqué. Oh. Vous savez quoi? On réglera ça tout à l'heure. Votre fille vous attend. Elle est ici? Oui, elle est ici. Elle est magnifique. Oh. En fait, elle est parfaite. Oh. Oh. Vous êtes prêts? Oui, oui. Très bien. Allons-y. Such joy to my world. I never knew there could be so much glory. Your little hand held in mine, and you are the one, the air that I breathe. You are the sun, and you are the one. No matter whatever, I'll be there forever. Je ne dis pas ça souvent, mais elle vous ressemble beaucoup. Vous trouvez? Oui. C'est vrai, c'est toi. Elle a tes yeux, absolument, mais aussi tes grosses joues. Ça n'a rien de drôle. Looking in your eyes. Vous allez l'appeler comment? Julia. Oh, c'est bien. C'est bien que vous soyez d'accord. Elle est près d'elle. Merci. De rien. One day I hope that you will know how you make my heart sing. Mes félicitations. Vous êtes maintenant les parents d'un magnifique enfant. Merci beaucoup. Merci. The air that I breathe, you are the sun. Est-ce que c'est réel? Ça l'est, oui. Ouais. On conduit pendant 5 heures et tout d'un coup, on est une famille de 3. Incroyable. Ça va? Oui, ça va. À sa mère, à sa vraie mère. C'est toi qui es sa mère maintenant? Je le sais, oui, mais... Qu'est-ce qui est arrivé de si terrible à sa mère pour qu'elle soit obligée d'abandonner cette petite merveille? Une première journée, vous vous débrouillez très bien. Maintenant, on va se séparer en plusieurs groupes et on va commencer les improvisations. Si vous avez envie de sauter en l'air, vous sautez. Et si vous voulez danser, vous dansez. D'accord? Allez, d'accord. On se met en groupe. Merci. Victoria? Salut. Jennifer Meyers, je fais partie des Omega. Tu te rappelles? On s'est rencontrés l'autre jour en cours de psycho. Ah.
Je voulais savoir si ça te dirait de rentrer dans notre club, c'est une assoce de filles. En fait, ça me plairait beaucoup d'être ta marraine. Je peux y réfléchir? Pardon, je veux pas que tu le prennes mal, mais en fait, j'y connais rien au club de filles. Non, ça me va. Il faut prendre son temps. C'est tout naturel. On se voit plus tard alors. Et tu me dis si ça te tente. Oui, à plus tard. Ça y est, tu t'es fait avoir. C'est à moi que tu parles? Ok, salut. Ouais, salut. Tout ça, le côté superficiel des assos d'étudiantes, enfin tout ça, tu t'es fait avoir? Ah bon, tu crois que c'est superficiel? Oui, ça l'est, je crois. Oh, mais peut-être que c'est parce qu'on ne t'a pas invité à rejoindre une assos de mecs. Ah oui, et pourquoi on ne m'aurait pas invité? Tu vois, ils ne t'ont pas invité. Peut-être parce que je ne suis pas assez sportif. Non, mais parce que tu es trop ringard. Oh! Mais j'adore les ringards. Ah oui? Oui. Et pourquoi ça? Parce que les ringards sont différents. Ils ne suivent pas les autres. Ce sont des libres penseurs. Ils suivent leur propre chemin. Très bien. Alors va pour le ringard. C'est quoi ta matière? L'enfant est en développement. Ah ouais? Super. Ça, c'est ton groupe? Ça l'est maintenant. Très bien. That I'm here right in front of you. It's frightening to see what you put me through. I think it feels right, but I could be wrong. I'm here in the dark, but your light is strong. And it is cold outside tonight. But you've got your warmth, and I've got this fire. Coucou, Julia. Ça va, Julie? Turn this light on tonight. If it's just right, don't you think so? Baby, you don't know what I do for you. You don't know what I do for you. No, 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 no. Yeah, c'est gentil. Et maman? C'est ta maman? Fais voir. Et Sophie? Sophie, tu m'entends quand je te parle? Alors, tu as toujours été une gentille fille? Non, j'ai eu une adolescence particulièrement difficile. Je te crois pas. Ça te surprend, hein? Ouais, pas qu'un peu. Non, c'est vrai, je suis allée un peu fort pendant une période. Je faisais exprès de traîner avec des types craignos uniquement pour embêter mes parents. Je vois. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, tes parents, en fait? Ah, t'es sûr que tu veux vraiment le savoir? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis le doigt sur la faille. Tu es sûr que tu veux vraiment le savoir? Ouais. Ouais, je veux le savoir, dis-le-moi. D'accord, très bien. Mon illustre père est un dessinateur de l'État de Californie. Rogers ou Worthington? Worthington. Pourquoi ça te fait rire? Mais parce qu'on ne peut avoir que du mépris pour cet homme. Je suis d'accord. Ah ouais? Oui. Alors on y va. Toutes les politiques qu'il mène sont atroces. La façon dont il s'occupe de l'immigration est absolument inacceptable. Et sa gestion des finances publiques, depuis qu'il a pris ses fonctions, c'est une horreur. Je l'ai en horreur comme toi. Comment tu connais tous ces trucs de politique? Je suis des cours de Sciences Po. C'est ça. Ça peut m'être utile. Mais waouh! C'est fou. Maintenant, ça y est, je te comprends. Ah oui? Ouais, c'est évident. S'il avait été mon père, je me serais révolté, c'est sûr. Tu devrais essayer de vivre avec lui. Ça a dû être un enfer. Écoute. J'aimerais te confier un truc important. Mais je voudrais surtout pas que tu t'imagines des choses fausses sur moi. J'aimerais que tu me promettes de pas gamberger trop. Et surtout, promets-moi de rien dire à personne. Ouais, bien sûr, je te promets.
avant que je débarque ici, je suis tombée enceinte. Ça n'a pas dû plaire à ton père. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été enfermée chez moi pendant 9 mois, jusqu'à mon accouchement. Il ne t'a pas fait avorter? Non. Mon père savait très bien les risques qu'il y avait à forcer sa fille encore mineure à subir un avortement. En gros, ça pouvait lui rapporter de sérieux problèmes si la justice y forait son nez. Et le bébé, il est où maintenant? Hey, non, ça va. T'es pas obligée de me le dire. Non, j'ai envie de te le dire. Il m'a été retiré, on me l'a pris. Quoi? Tu veux dire quoi par on me l'a pris? Que mes parents ont réussi à me convaincre que c'était mieux pour tout le monde qu'il soit adopté. Pourquoi? Je comprends pas. Comment tu as pu penser que c'était mieux pour toi? J'en sais rien, c'est qu'ils ont considéré que j'étais trop jeune. Non, excuse-moi, mais si on considère que tu peux voter à 18 ans, tu es capable de t'occuper d'un bébé, non? Oui, et c'est bien ce que je leur ai dit. C'est pas... Et pour les papiers? Est-ce que tu as signé une déclaration pour l'adoption? Je me rappelle pas. J'étais tellement dans les vapes après la péridurale. Je me rappelle pas avoir signé quoi que ce soit. Allez, ça vient. Poussez encore. Un petit peu encore. Ça y est, je le vois sortir. Allez-y, poussez maintenant. Oui, comme ça. Poussez encore. C'est bien. Oui, ça y est, il est là. Oh, c'est du bon travail. Vous avez bien travaillé. Regardez. C'est magnifique. C'est un très beau bébé. Prenez-le, amenez-le au centre. Allez-y. Si elle est en bonne santé, tu la verras demain. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu en as bien besoin. Tu as été très courageuse. Ça va aller, c'est bien. Est-ce que tu l'as revue? Non, c'était fini. Je l'ai pas revue. Il y a un problème, mais je sais pas où. Ah oui? La déclaration d'adoption, je sais pas, mais... Est-ce que tu as signé un papier, finalement? Peut-être. Je me rappelle pas. J'étais sous sédatif pendant une semaine, alors je sais pas. Attends, tu me dis que tu es restée là-bas une semaine? Oui. Mais la plupart des mères, quand elles ont accouché, ne restent pas plus de 24 heures à l'hôpital. Pourquoi t'es restée là-bas une semaine? Ils ont dit que j'avais eu un accouchement problématique à cause de mon âge. Et qu'il fallait ce temps-là pour récupérer. Est-ce que tu voulais te séparer de ton bébé? Non, excuse-moi. Je suis désolé. Toi et moi, on ne se connaît pas suffisamment, c'est trop récent. J'aurais pas dû aller si loin. Non, pas du tout. Au contraire, je vais tout te raconter. Tu crois que tu pourras écrire? Bon, c'est bien. L'hôpital a besoin de ta signature. À 3 endroits. Voilà, ici,
ici et là. C'est bien. C'est très bien. Tu peux te reposer maintenant. Je vais revenir te voir en fin d'après-midi. Je t'aime. J'ai signé la déclaration d'adoption. Mais j'étais droguée. Non, il pouvait pas faire ça. Tu étais pas en pleine possession de tes moyens. Mais cette histoire d'abandon du bébé, vous en aviez discuté avant? J'en étais pas sûre. J'ai réclamé mon bébé, bien sûr, après l'accouchement, mais... ils m'ont dit que c'était trop tard. Et je les ai cru, c'est tout. Bien sûr. Ton père était en pleine élection à ce moment-là. Il fallait que personne ne sache. Sa fille allait avoir un enfant en dehors des liens du mariage. C'était la catastrophe. C'était la fin de sa carrière. Oui. Mais comment j'ai pu être aussi stupide? J'ai abandonné mon enfant. D'autres personnes sont en train de s'occuper de mon bébé. Tu peux le récupérer. Ah oui, comment? Ça fait déjà plus d'un an qu'on me l'a enlevé. Pour elle, ses parents, ce sont les personnes qui s'occupent d'elle. Ça compte pas. Absolument pas. Il n'y a pas de raison. Ils s'occupent d'elle en ce moment, et alors? C'est ton bébé, ton enfant, c'est la chair de ta chair, comme on dit. C'est ton ADN à toi. Chérie, non, ce n'est pas possible. On était d'accord. C'est une autre famille qui l'a adoptée. Mais c'est qui ce on, dis-moi? Tu veux dire quoi par on? Toi et moi, avec ton père aussi. J'étais droguée. C'est pas possible que je sois d'accord avec ça. C'est vous deux qui êtes responsables. C'est vous deux qui m'avez obligée à l'abandonner. Ma chérie, tout ça n'a aucun sens. C'était la meilleure décision à prendre. C'était dans ton propre intérêt. On était tombés d'accord là-dessus. Jeune pour être mère, tu avais toute cette vie qui s'ouvrait devant toi. Vicky, tu es encore là? Je veux la reprendre. Vicky, c'est tout simplement impossible. On ne peut pas, surtout après un an. Elle a une famille maintenant et surtout, elle n'est plus à toi. Elle n'est plus à moi. Mais pourquoi elle ne serait plus à moi? C'est ma fille, non? J'ai beau chercher dans ma mémoire. J'ai aucun souvenir d'avoir donné mon accord pour que ma fille soit adoptée. Alors tu dois souffrir d'un blocage émotionnel, parce que nous avons eu ensemble une vraie conversation à ce sujet. Et tu étais d'accord sur le fait que c'était la meilleure décision à prendre. Pour vous deux. Pour elle. J'ai aucun souvenir de ça. Vous m'avez fait signer les papiers d'adoption alors que vous saviez que j'étais sous sédatif. Tu étais parfaitement lucide. Tu les as tous signés. Tous les papiers. Tu fais que mentir. Tu les as signés dans la salle de réveil. Ce que l'agence d'adoption t'a fait signer était parfait. C'est un pur mensonge, tout ça est insensé. Mais je ne te mentirai. J'ai signé les papiers d'adoption, oui, mais dans la salle d'accouchement. Vicky, tu peux me dire ce qu'il y a? C'est toi? C'est toi, papa. Ça doit faire des mois que j'ai pas entendu ta voix. Trop occupé pour rejoindre ta fille, c'est ça? Ou t'avais trop la trouille de me parler, parce que c'est toi qui m'as obligé à l'abandonner? De quoi est-ce que tu parles? Mais papa, tu sais où se trouve Johnny? Je te demande pardon. Oui, comment tu l'as trouvé pour le faire signer? Ce Johnny se fiche pas mal de toi. Il se fiche également du bébé. Il a tout signé et il a abandonné tous ses droits. Ah ouais? T'es sûr de ne pas lui avoir offert une remise de peine ou autre chose? Écoute-moi. Selon la loi, cet enfant ne t'appartient plus. Alors je te conseille de faire ta vie, d'obtenir ton diplôme, de rencontrer un homme avec lequel, dans quelques années, tu pourras fonder une famille. Papa, cette adoption, d'un point de vue légal, est nulle. Pourquoi tu persistes à dire ça? Parce que c'est la vérité, c'est tout!
Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait ce qui était le mieux pour elle. Allez, Vicky, décroche, tu peux bien. S'il te plaît. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont menti. Je me suis fait avoir, c'est vraiment la honte. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Ton père est sénateur de la Californie, qu'est-ce que tu crois? Personne n'a intérêt à se dresser contre lui. Mais quand même, je suis sa fille. Et ça vaut pour toi aussi. Écoute, ton père est un homme qui a beaucoup d'influence. J'ai lu pas mal d'articles sur lui. Et ce qui paraît certain, c'est que dès qu'il aura fini son mandat de sénateur, il se présentera comme gouverneur. Je crois que tu as besoin de prendre contact avec un avocat, et très vite. Il faut que tu le fasses. Le meilleur ami de mon père est un des plus grands avocats de San Francisco, et je suis sûr qu'il pourra t'aider. J'ai pas assez de temps pour ça. Et je veux pas en perdre avec des avocats. Ma fille grandit, et je tiens à la voir grandir. Je veux pas attendre un jour de plus. Elle risque de s'habituer et de prendre ses gens pour ses vrais parents. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai mon idée. Tu m'accompagnes à l'aéroport. Attends, mais... tu veux aller où? Chez moi. On y va? J'ai réservé un vol. Alors, tu m'en veux toujours? Mais non, je t'en veux pas, maman. Seulement, tu m'as déçue. Je sais que t'as dit que pour mon bien, je sais. Non, c'est pas vrai. Comment ça? Pardon, ma chérie, pardonne-moi, s'il te plaît. Ça va, maman. Non, ça ne va pas. Si, si, ça va, je vais m'occuper de tout ça, tu verras. Tu verras. Et toi et papa, vous allez être tous les deux les meilleurs grands-parents qu'une petite fille puisse avoir. D'accord? Bonjour. Bonjour. Que puis-je pour vous? Jennifer Myers. Je viens à l'entretien pour le stage en entreprise. Ah oui, on va venir vous chercher. Est-ce que vous pouvez aller attendre en salle de conférence, s'il vous plaît? Merci. Jennifer? Excusez-moi, vous êtes Jennifer? Oui. Oui. Pardon, oui, Jennifer. Très bien, moi c'est Caroline. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous avez un CV assez impressionnant pour une jeune femme de votre âge. Merci beaucoup. J'aimerais savoir ce qui vous a poussé à venir ici. Eh bien, l'adoption. C'est le cadeau le plus merveilleux qu'une famille puisse offrir à un enfant abandonné. Il faut d'abord accepter qu'il se fasse un nid chez vous, s'engager après à lui donner tout ce dont il a besoin. Il faut l'aimer et puis l'accompagner le reste de sa vie. C'est une des plus belles et des plus généreuses actions à laquelle on puisse rêver de s'associer. Waouh, c'est très impressionnant. Vous savez, c'est pour ces mêmes raisons que j'ai voulu rentrer ici. Je meurs d'impatience. Assister en direct au moment où un enfant est reçu par sa famille, ça doit être merveilleux à vivre. Oh oui, ça l'est. C'est magnifique. Maintenant, parlez-moi un peu de vous. Bonjour, Jennifer. Bonjour. Comment ça va? Vous commencez à prendre vos habitudes? Oui, oui, ça commence bien. Tout le monde est très gentil avec moi et j'apprends des tas de choses. Bien, bien. En ce qui me concerne, rien à redire sur votre travail. C'est gentil. On sort déjeuner, je vous rapporte quelque chose? Oh, non, ça va aller. J'avais prévu mon petit pique-nique. Parfait. Vous assurez la permanence toute seule. Alors s'il vous plaît, quand vous recevez les appels, vous nous les basculez sur nos messageries vocales? Bien sûr, ce sera fait. Très bien, on peut y aller. À plus tard, merci. Vous m'accompagnez? Thank you.
T'es couché ? Oui. Attends une minute. Ça y est, tu peux entrer. Eh bien, bonne nuit, chérie. Merci, maman. Ça me fait tellement plaisir de t'avoir à la maison. Oui, ça fait du bien d'être ici. Vous m'avez tous manqué. Même Christian avec ses blagues. Maman, oui? Je peux t'emprunter ta voiture demain, je vais en avoir besoin. Bien sûr, les clés sont accrochées à leur place dans la cuisine. Ok, merci. Bon, on se voit au petit-déj. Comptez pas sur moi, je serai peut-être partie avant votre réveil. Oh, comme tu veux, alors passe une bonne journée. Merci. Allô? Pourrais-je parler à Madame Martin? Oui, c'est moi. C'est à quel sujet? Voilà, c'est Jennifer Myers et je travaille pour Melissa à l'agence d'adoption Elite. Ah oui, bonjour. Vous êtes encore là? Allô? Allô, je suis toujours là, mais on a quelques problèmes sur la ligne, désolée. Melissa m'a demandé de vous joindre pour que je puisse passer chez vous. C'est une sorte de compte-rendu annuel. Enfin, c'est une petite formalité qui est demandée par l'administration. Oui, je vois. Mais écoutez, pas de problème. La semaine prochaine, ça vous irait? Je voulais vous demander si c'était possible qu'on se voit demain. Tout ça arrive un peu à la dernière minute, mais c'est souvent comme ça avec ces sondages. Écoutez, oui, pourquoi pas. Ça devrait pouvoir marcher demain, oui. C'est parfait. Une question, vous habitez toujours à Sheridge Drive? Oui, toujours, oui. Génial. À 10h? D'accord, ça me va. Mon mari sera là aussi. Ça sera encore mieux, merci. Très bien. À demain matin, alors. Oui.
Ah, bonjour. Vous êtes sans doute Jennifer de l'agence. De l'agence, oui. Vous êtes Madame Martin. Oui, et je vous présente Richard, mon mari. Ravi de vous rencontrer. Merci de me recevoir. Je vous en prie, entrez. Merci. Et voici Julia. Salut, Julia. Elle est gentille comme tout. C'est un petit ange, elle est très dégourdie. Vous pouvez pas imaginer comme on l'aime. Oui, elle est belle comme un ange. Est-ce que ça va? Oui, je vous demande pardon. Je la trouve super belle et rayonnante. Vous êtes sûre que ça va? Oui, ça me touche. C'est tellement beau de voir des enfants confiés à des familles qui les aiment de façon inconditionnelle. C'est à cause de ça que je me suis consacrée à l'adoption. Comme je vous comprends, c'est tellement extraordinaire. Oui, bien sûr. Julia n'est pas notre fille, mais parfois on se demande si ce n'est pas le destin qui nous l'a envoyée. Oui. Franchement, vous formez une belle famille. Je vous remercie. Non, excusez-moi, ça n'a pas arrêté de la semaine. J'y vais. Alors, elle ne marche pas encore, bien sûr. Elle a commencé à ramper, elle se tient assise, mais depuis quelque temps, elle adore se mettre debout en s'aidant de la table du salon. Et puis, elle tourne autour. Tu veux dire bonjour? Et elle dit déjà maman. Et papa aussi. Et puis quoi? Sarah, l'entrepreneur veut qu'on se décide pour le carrelage. Là, tout de suite? Oui, je suis désolée. T'as besoin de moi? Oui, s'il te plaît, pardonnez-moi. Oh, c'est vrai. Oh, pardon, est-ce que ça vous dérangerait de vous en occuper? Ce sera pas long, juste une seconde. Bonjour. Désolée, mais il a besoin de moi là-haut. Bonjour, bébé. Pardon, j'ai été un peu longue. Comment ça va, chérie? Alors, est-ce que tu as fait la connaissance de Jennifer? Quoi d'autre? Oui, je peux vous faire faire le tour de la maison, si vous voulez. Non, 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 ça va aller. J'imagine que votre maison est aussi belle que votre famille. Ce que vous dites est adorable. Je ne crois pas me tromper en disant que Rachel est... Julia... étant de très bonnes mains. Bon, je dois vous laisser. Il me reste encore 3 familles à voir. Merci de m'avoir reçue comme ça. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Très bien. Je vous raccompagne. Au revoir, petit ange. Merci encore. Au revoir. J'y croyais pas, et puis il lui a fallu à peine 5 secondes. Et il a mis en panique. Hey, tu peux le faire aussi. C'est incroyable quand même. Réponds, réponds, allez, réponds. Salut. Non, désolé. Allô, Vicky, comment tu vas? À plus tard. Salut, t'es tout seul? Ouais. Ouais, c'est bon, je t'écoute. Est-ce que ça va? Je l'ai vu. Tu l'as quoi? Comment ça? Je viens d'aller la voir chez elle. Comment t'as fait ça? Je t'expliquerai plus tard. Écoute, les gars... C'est dingue, elle est vraiment superbe. Je n'arrive pas à le croire. Je l'ai touchée, on s'est regardé. Je l'ai tenue dans mes bras. Est-ce qu'elle a tes yeux? Oui. Quand je la regardais, j'avais l'impression que c'était mon portrait, c'est tout moi. Je crois qu'elle a senti que j'étais sa mère. Et le couple adoptif, ils sont si gentils. En fait, je m'étais imaginé un couple dégoûtant, sale à faire peur, affreux, quoi. Mais c'est tout le contraire, ce sont des gens absolument charmants. Ok, c'est vraiment super. Maintenant, il faut prendre contact avec l'ami de mon père. Je suis persuadée qu'il peut faire un miracle. Mais si tu les voyais, ils sont tellement gentils. Vicky, j'ai des doutes, tu sais. Peut-être... Mais quoi? Tu vas pas abandonner? J'en sais rien, mais quand je les vois ensemble, je sais plus quoi penser.
Je sais pas, elle aura une mère qui l'aime et un père qui l'aime dans une maison confortable. Et puis c'est une magnifique famille. Arrête, te torture pas comme ça. Lucas, si je la reprends, ça va être un drame pour eux. J'ai pas envie de détruire leur vie. Arrête un peu, tu vas pas te faire du souci pour eux. Il faut penser à Rachel et à toi d'abord. C'est ça le plus important. C'est ta fille, non? Ils n'ont pas de droit sur elle. Je sais pas quoi faire. Il faut que tu viennes. Il faut que tu rencontres cet avocat, l'ami de mon père. Tu entends? Il va te la ramener. Je te le promets. Lucas m'a dit que votre domaine, c'était le droit de la famille. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Et vous défendez des cas d'adoption? Oui. Pourquoi? C'est quoi votre problème? Vous êtes sûr que ça va? Non, non, pas vraiment, non. Attendez, prenez votre temps. Si vous le voulez bien, je vais vous demander de commencer par le tout début. Eh bien, c'était il y a 2 ans. Je suis tombée enceinte alors que j'étais encore mineure. Comme vous pouvez vous en douter, mes parents n'ont pas apprécié. Donc vos parents vous ont fait signer le formulaire d'abandon tout de suite après l'accouchement. Et on vous a fait une péridurale? Oui. Alors nous n'aurons pas de problème. Quoi, vous pensez que ça peut marcher? Évidemment, ce ne sera pas facile. Mais pour moi, vous avez de grandes chances de la retrouver. Heureusement, aujourd'hui, la Cour prend en compte ces circonstances et reconnaît l'opportunité d'un jugement. Cela devrait jouer pour vous. D'accord, et pour mes parents, ça peut leur poser des problèmes? Ils ne seront pas inquiétés d'un point de vue pénal, mais ça n'empêchera pas les Martins de les attaquer au civil. Il ne faut pas laisser passer votre chance. Il faut la saisir. Et surtout, Vicky. Souvenez-vous qu'au bout du compte, vos parents y gagneront une petite fille. Je lance la procédure. Victoria! Vicky! Cette fois, tu es allée beaucoup trop loin. Comment ça, je suis allée trop loin? Moi? Mais je rêve, tu plaisantes? Je n'imaginais pas que tu irais jusque-là. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma fille, non? Tu veux que je te dise? Une vraie mère prenne n'importe quoi pour aider sa fille. Mais c'est trop tard. Comment ça, trop tard? Je suis désolée, il n'y a rien à faire. Arrête de protéger ton mari. Ça fait plus de 20 ans que tu joues le rôle de l'épouse soumise et résignée. T'en as pas marre, maintenant? Arrête de vivre pour lui, maman, et fais ce que tu dois faire. Je suis ta fille. Et Rachel est aussi ta petite fille. Elle a vécu séparée de nous une année seulement. Et il nous reste une vie entière à partager avec elle. Mais si tu continues à t'obstiner comme ça, je ne pourrai pas la récupérer. Bonjour les filles. Qu'est-ce qui se passe? Fais ce que tu dois faire, maman. Ouais. Barbara? Robert? Nous, on n'aurait jamais dû agir ainsi. On lui a fait signer les déclarations d'adoption alors qu'on n'aurait jamais dû le faire. Alors on parle d'adoption? On parle tout simplement de notre petite fille. Ce n'est pas notre petite fille. Sa mère n'était pas mariée, son père était un dealer. Ça suffit, j'en peux plus. Robert, je t'en prie. Je t'en prie. Arrête de nous déballer ton baratin de politicien, c'est pas le moment. Il n'y a pas de politique là-dedans, il fallait être pragmatique et réaliste. Comme une erreur, mais... Mais en commettant cette erreur, elle nous a aussi apporté une magnifique petite fille. Elle est venue à nous, et nous, nous l'avons renvoyée. Il est temps d'assumer nos responsabilités une fois pour toutes. Malheureusement, c'est trop tard. Maintenant, cet enfant appartient à une autre famille et ça fait plus d'un an. Et alors, c'est pas trop tard? Si, ça l'est. Non, c'est pas trop tard. C'est mon enfant, c'est pas leur. J'ai été la voir hier. Tu l'as vu? Comment tu as fait?
pas d'importance, non. Ce qui est important, c'est qu'elle m'a reconnue. Maman, elle savait que c'était moi, sa vraie mère. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Elle a seulement un an. J'en suis sûre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle m'a reconnue. Et elle a compris que je la reprendrais. Alors vous allez m'aider à la récupérer et réparer le mal qui a été fait. Papa, je t'apprends rien, mais la politique, celle que tu voulais mener, c'était pour aider les gens, non? Dis-nous ce qui a changé, hein? Tu peux me dire ce qui s'est passé? Tu vois pas que j'ai besoin de toi dans cette histoire? Tu vois pas que c'est maintenant que tu peux réparer ce que t'as fait, que tu peux aider ta fille? Et nous permettre d'inverser les choses? Essaye de comprendre, s'il te plaît, mais en te mettant à ma place. Et en pensant un peu à ta propre famille. Chérie, tu sais, à cause de ça, ton père peut tout perdre et ils sont des millions à espérer en lui. Tu as raison. Je te demande pardon. C'est ma faute. Je me suis comporté comme un égoïste, n'ai pensé qu'à moi et à ma réputation. J'espère que tu me pardonneras. Je t'aime, tu sais. Je t'aime moi aussi. Merci maman, je t'aime. Dans ce cas précis, il n'y a pas de jurisprudence. On ne peut donc pas attaquer de front. Je comprends. Mais faites-moi confiance. Excusez-moi. Oui, allez-y. Richard Martin? Oui. Pardon, excusez-moi. Je vous en prie. Oui. Non, 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 non! C'est pas possible, Richard! Dis-moi que c'est pas vrai. Dis-moi que c'est pas possible. Non. Je t'en prie, dis-le. Non, chérie, non. Chérie, on va se battre de toutes nos forces, je te promets. C'est mon bébé à moi. C'est mon bébé. Personne ne pourra jamais me la reprendre. Non, tu entends. Ce qu'ils nous font, c'est horrible, c'est monstrueux. Ma chérie. Alors que tout était magnifique. Chérie, écoute, on ne va pas se laisser faire. Je me suis déjà mis en contact avec un avocat. C'est le meilleur et le plus expérimenté dans ce genre d'affaires. Il est un peu cher, mais ça m'est vraiment égal. Je préfère me ruiner plutôt que de perdre notre enfant. Mais comment ça se fait? Et pourquoi ils ont attendu si longtemps? C'était pas une adoption plénière, Serge. Je sais. Ils disent que le bébé a bien été adopté, mais sans le consentement de la mère. Comment c'est possible? Julia, serre-moi dans tes bras. Pourquoi ça nous arrive à nous? On va se défendre. Je vais être un peu brutal avec vous, mais je serai honnête. C'est un dossier très difficile à défendre. La cour peut très facilement opposer le fait que l'adoption s'est passée de façon illégale. La grand-mère a admis, elle a fait une déposition sous serment affirmant que la mère de l'enfant avait signé les papiers d'adoption, mais immédiatement après avoir accouché du bébé, et alors qu'elle était encore sous l'effet d'un anesthésiant. Si vous voulez mon avis à l'heure qu'il est, vous pouvez poursuivre les grands-parents, l'agence d'adoption, l'hôpital. Mais ça ne vous rendra pas, Julia. Tout ce monde-là devrait aller en prison. Malheureusement, c'est une affaire qui est portée au civil. En effet, aucun crime n'a été commis. Il doit bien y avoir quelque chose à tenter. On a passé plus d'un an avec elle. Nous sommes ses parents. Malheureusement, au regard de la loi, vous n'êtes pas. Je suis désolé. Il est possible que vous soyez considérés comme une famille d'accueil. Une famille d'accueil. Oui, comme vous savez, la famille d'accueil est là pour aider, prendre soin de l'enfant en attendant qu'on lui trouve une famille définitive. Mais nous sommes sa famille définitive. Eh bien, pour éviter de tourner autour du pot, je dirais que l'État risque fort d'attribuer à la mère biologique tous les droits qui reviennent à une mère. Et si on quitte le pays? Non, ce ne serait pas une bonne chose. La plupart des pays ont des lois d'extradition concernant les enfants et vous seriez immédiatement renvoyé aux États-Unis avec de sérieux problèmes. Alors, qu'est-ce que vous nous conseillez? De baisser les bras? Qu'on la rende comme un vulgaire objet, une voiture de location? Ce n'est pas ce que je veux dire.
Mais ce qui est sûr, c'est que la cour prend en compte les circonstances et donne le bénéfice du doute aux parents biologiques. Alors, j'aimerais proposer une chose. Que nous rencontrions un médiateur plutôt que d'affronter la cour. Un médiateur? Il n'y a rien à arbitrer, là. Cet enfant est la nôtre. Vous avez affaire à une famille très puissante. Je crois qu'il vaut mieux se défendre dans un environnement plus clément. Un procès devant la cour vous mettrait immédiatement en position d'agresseur. Allô? Oui, c'est Madame Worthington. Ah, d'accord. Demain à 10h. Au revoir. Les Martin veulent nous rencontrer demain à Los Angeles pour une médiation. S'il vous plaît, vous pouvez envoyer ça au procureur? Oui, monsieur Wilson. Oui. Monsieur Klein? Ah oui, par là. Ah, le voilà, justement. Okay, je vous en prie. C'est fait exprès. Bonjour. Ce serait trop brutal. Je préfère ne pas aborder ce point. Parce que ça allait prendre trop de fou. Il faut faire attention. Oui, je ne sais rien. Je ne sais pas non plus. C'est la fille de l'agence qui est venue chez nous. Qu'est-ce qu'elle fait ici? C'est la mère biologique. Non. Non, elle travaille pour l'agence d'adoption. Elle est venue chez nous, à la maison. Elle a rencontré Julia. Elle nous a dit qu'elle travaillait pour l'agence. Ça fait plaisir de vous revoir, Jennifer. Est-ce que c'est Jennifer ou Victoria? Monsieur Klein, Victoria a déjà rencontré Julia. Elle s'est moquée de nous en nous racontant qu'elle travaillait pour l'agence d'adoption. Elle est entrée chez nous alors qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. C'est pour voir ma fille. Vous auriez fait exactement la même chose si ça avait été la vôtre. Mais c'est mon enfant. Non. On me l'a enlevée de force, de façon illégale, 2 minutes à peine après l'avoir mise au monde. C'était vos parents? Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? On m'a quand même séparée d'elle. C'est mon bébé à moi. Elle a mon ADN et elle a mon visage. Mesdames, s'il vous plaît, calmez-vous. Monsieur Klein, puis-je prendre la parole, s'il vous plaît? Sénateur, avec tout notre respect, nous n'avons pas encore commencé la procédure. Je comprends, monsieur, mais avant de commencer, j'aimerais que les Martin sachent que nous ne sommes pas indifférents. Nous comprenons votre désarroi. Nous savons à quel point ça doit être douloureux. Non, non, vous ne savez pas. Vous n'en avez aucune idée. Nous sommes aussi des êtres humains. Nous avons aussi un cœur. Nous comprenons, je crois, mais la situation est très inhabituelle. Un bébé et 2 mères. Non, il n'y a qu'une seule mère ici. Il n'y a que moi. Je suis désolée. Je me fiche pas mal de votre pouvoir. Vous n'allez pas me reprendre ma fille. On se battra contre vous parce que c'est grave tout ça. Monsieur Klein, elle a signé tous les papiers. Vous l'avez abandonnée. Vous l'avez fait. L'adoption était complètement, totalement légale. Il n'y a rien à discuter ici, il n'y a rien. Mais je comprends même pas pourquoi on est là, c'est un cauchemar. Très bien. Manifestement, la situation est très électrique et provoque beaucoup d'émotions. Je vous suggère de faire une pause de 24 heures pour laisser reposer. À l'issue de quoi, nous retrouverons les familles. C'est tout. Nous en profiterons pour discuter entre nous avec un peu plus de professionnalisme. Je n'y vois aucun inconvénient. Aucun problème. Je reste avec les conseillers et on se retrouvera demain pour une mise au point. Très bien. Allez, viens. On s'en va. Chérie, il ne faut pas que tu perdes ton cul. Peut-être qu'on aurait dû aller jusqu'au procès. Non. Non, il faut avoir confiance et être un peu patient. Comment tu peux me demander d'être patiente alors qu'on va me séparer de ma fille? Tu sais, si tu te laisses emporter comme tu l'as fait, demain, le médiateur peut facilement se retourner contre nous. Je me demande si c'est bien ce qu'on fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu l'as vu, c'est une mère s'asseoir. Oui, je l'ai vu, oui. Je l'ai vu tout de suite, au moment où elle est entrée ici. Pour voir sa fille. Il n'y a aucun doute, elle l'aime. C'est le même sang dans leurs veines. Julia va grandir et un beau jour, elle nous demandera qui est sa mère biologique.
Elle n'a pas à savoir qu'elle est adoptée. Mais ça fonctionne pas de cette façon, tu le sais. Les enfants comprennent, ils savent absolument tout. Elle saura quand elle aura grandi en se comparant à nous. Elle ne saura pas, il ne sera pas question de le lui dire. Et en plus de ça, elle te ressemble. Tout ça est impensable. Pourquoi ça nous est tombé dessus? Écoute, Julia fait partie de notre famille. Et rappelle-toi ce que disait le docteur Billing au sujet des liens. Elle parlait de l'émotionnel qui était plus fort que le biologique. Je sais plus rien maintenant. Ma chérie. Ça va très bien se passer. Je suis reconnaissant à chacun d'entre vous de m'avoir laissé le temps de me faire une meilleure idée de la complexité de ce dossier et de m'avoir ainsi permis de me faire une opinion. Comme vous le savez, ma décision ne peut être entérinée que si les deux parties sont d'accord. Et après avoir étudié tous les témoignages de ce dossier, voilà ce que je crois. Cette adoption s'est déroulée de façon complètement légale. Il ne peut y avoir de doute. Mademoiselle Worthington, je tiens à vous expliquer pourquoi il m'a semblé que l'influence d'un anesthésiant lors de la signature de vos papiers ne pouvait pas être un argument suffisant pour tout remettre en question. Vous saviez, et M. Shapiro a pu me donner un certain nombre d'informations et de preuves couvrant cet aspect, que la question de cette adoption avait été soulevée des semaines entières avant l'accouchement. Qu'est-ce que ça peut faire? Je suis comme elle, sa mère. Je vais comprendre mon bébé. Mademoiselle, s'il vous plaît. Sarah, je vous en prie. S'il vous plaît, rendez-vous à l'évidence, même si pour vous c'est dur, je sais. Vous devez reconnaître que je suis sa mère biologique telle que vous me voyez ici, devant vous. Vous ne pouvez pas nier l'évidence. Je vous demande d'écouter votre cœur et d'admettre qu'une terrible, terrible erreur de jugement vient d'être commise. Je sais ce que vous ressentez. Je sais que ce qui vous arrive est une chose affreuse et tout ce que ça représente pour vous. Mais le fait que Rachel est mon bébé et que rien ne pourra changer ça. Est-ce que vous avez compris que pendant que vous étiez avec elle toute cette année, je me suis toujours interdit de la voir et c'était pourtant ma fille? Je sais bien qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je le sais bien. Mais il faut qu'on aille de l'avant. Et Rachel pourra retrouver sa mère et partager avec elle sa vie. C'est pas avec elle qu'elle devrait être. Mais je suis sa maman. Et vous avez été une formidable maman. Je vous ai vue avec elle. Vous l'aimez. Comme si elle avait été votre propre chef. Mais c'est mon bébé. Je suis pas en train de dire qu'il ne sera plus question de l'avoir. Je voudrais que vous continuiez à faire partie de sa vie. Vous savez, je suis pas une mauvaise personne et je suis pas non plus mesquine. Mais je dois me battre pour mon enfant, comme vous aimeriez que votre mère se batte pour vous. Je vous en supplie. Vous savez que ça n'a pas été facile pour moi. Mais regardez un peu ce qu'on fait. Vous croyez que ça a beaucoup de sens d'être assis là avec des avocats pour parler de l'avenir d'une petite fille? Je vous en prie, laissez-la revenir vers moi. Je veux pas que ça soit dans trop de temps. Je veux pas que cette procédure traîne en longueur pendant 2 ou 3 ans encore. Ça serait causer du tort à Rachel. Elle serait la première à souffrir de ne pas retrouver tout de suite sa mère. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous la donnez et lui dire au revoir. Oui. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant qu'elle ait 3 ans ou même 4 et que vous ayez à lui expliquer ce qui arrive. La meilleure chose à faire pour Rachel, c'est de me la donner maintenant. Puis-je vous demander de nous laisser seuls?
Je sais toujours pas quoi dire. C'est un vrai choc. Pendant toutes ces années passées au barreau, je n'ai jamais assisté à ça. Est-ce que ça va? J'aime Julia et pour elle, je donnerai ma vie. Je l'aime aussi. Mais elle a... Quoi? Mais elle a raison. Quoi? Mais oui, Richard. Victoria est sa vraie mère. Mais moi, je ne le suis pas. Rien ne pourra changer ça. Je ne serai jamais sa mère biologique, jamais. Regarde comme elle se bat pour elle. Elle est complètement désespérée. Nous sommes aussi... Et ça ne compte pas. Si Victoria n'était plus de ce monde, si c'était une droguée, si elle s'en sortait pas, si elle avait une maladie grave, j'en sais rien. Bien sûr qu'on s'en occuperait. Mais Victoria se tient devant nous. Elle nous supplie pour avoir sa fille. Et je sais que je ne pourrais pas continuer à avoir bonne conscience si je la prive de cet enfant qui est sien. Non, chérie, écoute-moi bien. On peut se battre et on peut gagner. Tu crois? Oui. Qu'est-ce qui peut te faire dire ça? Quoi? Qu'est-ce qu'on gagne, dis-moi, quand on prive une mère de son enfant? C'est elle, sa mère. Et ce qu'elle veut, c'est la récupérer. Il faut qu'elle puisse être avec elle. C'est aussi simple. Et elle a raison. Qu'est-ce que ça veut dire de se battre? Et 2 ou 3 ans après, risquer de la perdre encore? Oui, mais enfin, c'est toujours des moments de plus à passer ensemble. Oh, chérie. Là, tu ne fais que penser à nous. Tu n'es pas en train de penser à Julia. Ça la détruirait. Qu'est-ce que tu fais? Ce qu'il faut que je fasse. Sarah, non. Sarah, je t'en supplie, prends encore un peu de temps pour réfléchir. Non. J'ai pris ma décision. Non, Sarah. Victoria? C'est votre bébé. Peut-être que c'était mon boulot de prendre soin d'elle. Pour une période. Et maintenant, ce sera à vous d'en prendre soin pour toute la vie. Merci à vous. Merci d'être si compréhensif, Sarah. Merci. J'aimerais que vous me fassiez une promesse. Qu'on puisse se voir par la suite. C'est pour lui. Où que vous soyez. Très bien. J'aimerais encore une chose. Qu'on y aille en douceur. Bien sûr. Vous avez pensé à quoi? Peut-être que ce serait une bonne idée de passer quelque temps sous notre toit. Pour que vous fassiez connaissance. Je crois que j'aimerais beaucoup ça. Vous pouvez me dire pourquoi ce prénom, Rachel? C'était le prénom de ma grand-mère. Je l'ai beaucoup aimée et elle me manque encore. Ça ne m'étonne pas de vous. J'ai pensé à une chose et je crois que ce serait mieux de lui garder le prénom de Julia. Pas seulement parce que c'est un magnifique prénom, mais parce que c'est comme ça qu'on l'appelle. Et aussi parce que c'est le prénom de votre grand-mère à vous, ce qui est très important pour moi. C'est vraiment gentil. Vous êtes bien sûr... Mais oui, vous le méritez. Vous vous êtes tellement bien occupé d'elle. Je vous dirai jamais assez merci.
savez, c'est fou. Je ne sais pas comment le dire, mais... vous êtes vraiment étonnante. On ne pouvait pas rêver meilleure situation. Ou meilleure personne. Vous avez un cœur extraordinaire. Richard et moi, nous sommes très attachés à vous. Et quand vous aurez besoin d'aide, on sera là pour vous. Merci beaucoup. Dites-moi, vous allez adopter un autre enfant? Oh, peut-être, mais pas tout de suite. J'ai vu mon médecin. Il y aurait une toute nouvelle procédure expérimentale à tenter. D'après lui, je pourrais être un très bon cobaye et avoir de sérieuses chances que cela aboutisse. Il faut essayer. Qui sait? Il faut oser, non? C'est pour tout de suite? Oh, il faut pas trop s'exciter, c'est encore en phase d'essai, mais... mais vous allez tout de même essayer? Pourquoi pas? Alors il faut le faire vite. Ça serait formidable pour Julia d'avoir une sœur. Ah! Oui, ce serait chouette. À quoi je pense? Oui. Je sais pas, ma chérie. Tous ces endroits me rappellent des moments qu'on a passés avec Julia. C'est vrai. Oui. Ce sont plutôt de bons souvenirs, ah, non? Ah oui, bien sûr que ce sont de bons souvenirs. Et sur ce bout de plage, t'en as un? Oui, quand on a fait un super pique-nique là-haut. Tu te rappelles? Oui. C'était très beau. Alors... c'est un endroit plutôt plaisant. Oui, on peut le dire. Pourquoi? C'est bien. Parce que je pense qu'il va te plaire encore plus. Qu'est-ce que tu as? Je suis enceinte. Tu es enceinte? Oui. C'est vrai? Oui. Oui. Je t'ai dit que je t'aimais aujourd'hui. Non. Je t'aime aujourd'hui. Je t'aime aujourd'hui aussi. Ça, c'est incroyable.